D'ailleurs, j'ai tout flippé sur cette chaîne, eh ben, sauf vous. Et attention, hop, flip sur vous-même. Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de Facebook. Prenez votre sac, votre petite lampe. On va voir ce que voient nos darons tous les jours. Et je suis tombé sur ça. J'ai déjà vu passer parce que ça fait des millions de vues sur Facebook. C'est Brico Sympa, mais là, ils ont créé une autre page qui s'appelle Brico Ado. Donc, si je comprends bien le principe, ce sont des tutos pour les ados. Vous êtes un peu comme ma famille, donc faut qu'on regarde ça ensemble. Et si je me souviens bien, c'était il y a 3 semaines. Secret de beauté bizarre qui fonctionne vraiment. Rien que ça. On commence avec de la beauté ici. Qu'est-ce qui se passe déjà dans, rien que dans la miniature? C'est quoi le principe? Pourquoi? Mais c'est dégueulasse. Me dis pas que c'est le truc final. Genre on va vraiment regarder ça? Mais c'est pas du tout naturel. Faut pas prendre de, je sais pas, de la pâte à fixe ou un truc comme ça pour s'en mettre sur les lèvres et passer du rouge à lèvres dessus. Le profil c'est pire. Ok. Oh mince, j'ai le pied trop petit, j'ai pris une taille 46, comment je fais? Je prends une fermeture, je vais faire des lacets, je comprends pas. Attendez, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas là. La chaussure là, le talon, c'est trop grand, regardez l'espace qu'il y a. Mais pourquoi il n'y a plus l'espace? Nickel, c'est pour ça que j'ai plus de papier quand je vais aux chiottes. Des chignons, pour ceux qui font des chignons là, vous utilisez quelle marque de PQ? Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Ah, c'est du coup, tu prends des échantillons pour quand t'es en dehors de chez toi, c'est ça? Alors, jamais de la vie. Attends, quoi? Pour faire ça, elle a utilisé une cuillère? Mais serait-ce, utilise une manette de PlayStation, tant que tu y es! Pourquoi une cuillère? Prends un mètre, à la limite, pourquoi pas? C'est ta Nutella, surtout. Hop, petite lichette de Nutella aussi, sous les yeux. Alors, regardez, attendez, il y a écrit quoi là? Brico, ado, ado, ok. Depuis quand ton ado, il y a une perceuse là sous le lit? Voilà, je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Non, bah allez, c'est bon. Allez, les trucs de beauté là, c'est terminé là. C'est n'importe quoi, on va passer à autre chose là. Instagram versus réalité, tiens, ça m'intéresse ça. Oh, Brico ado là, faites attention là, s'il vous plaît. Je comprends rien. Ok. Jamais de la vie ça marche. Jamais de la vie, t'as vu le point d'un iPhone? Comment tu veux le faire tenir sur un fil de pêche comme ça avec un rouleau PQ? Ok, du sable. Déjà, je me balade toujours avec une bonne caisse en plexi. Je vais sur la plage avec. Vrai influenceur se balade toujours avec ça. Ok, hop, ça se transforme en bon caca ça, nickel. Petite étoile de mer, sympa. Eh oui, juste là dans la mer, tranquille. Tu viens la récupérer pour une photo dégueulasse. En plus, le sable il sert à rien. T'as fait tout ça pour rien. Ok, j'aime être, je peux faire ça. Alors non, non, je suis désolé. Je suis désolé là. Là j'ai de quoi le vérifier là en plus. Ça marche même pas. Ils ont un mètre avec un vérin à l'intérieur, ils ont un moteur dans le mètre. Elle avait un bout de bois, mais bout de bois ou pas, ça revient pas en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non! Alors comment t'aurais pu éviter? Dis-moi tout. Hein? Mais chier, ta technique, tu te prends la tête pour rien là. J'ai eu peur d'ailleurs, heureusement c'est un petit sachet plastique. J'ai cru qu'elle faisait avec autre chose. Prends un trépied à ce niveau là. Voilà, voilà, très bonne idée ça. Ah, bonne idée, au top les conseils, bravo. Alors non. Alors non, on n'a pas du tout ce plan là quand on pose son téléphone par terre. Hein. Déjà, le plan giga horrible quand on te voit comme ça en contre-plongée, je suis désolé. Ouais, j'ai l'air dégueulasse. Et ça fait pas du tout le même effet, là. Horrible, dégueulasse, le plan. Petit en colossal. Oh, là, j'avais un sextuple menton, là. Tu veux faire quoi, comme... Bougez pas. Ça, je peux l'essayer. Oh, regardez-moi le scotch que j'ai, en plus. Ça, c'est du scotch de compète. On va bien scotcher l'iPhone dessus, là. Oh, je fous du gros scotch sur mon tel, là. Oh, nickel, l'écran. Oh, là. J'ai mal. Par contre, faire des plans comme ça... Vous avez vu quand même comment je me casse la tête? Alors que pour eux, ça a duré 2 secondes. Hop. Alors déjà, attendez. On compte tous ensemble, hein. 1, 2, 3. Eh, les ados qui m'écoutent, là, vous avez 3 mains, non? Bon, essayons, c'est parti. Hop. Oh, le
téléphone, j'avais oublié. Alors, voyons voir ce que ça donne. Attention. C'est nul. C'est nul. Et en vrai, je fais ça. C'est pareil. Ça, le même effet. Non, non, non. Nous, on sait comment ça marche. Ah, ça, à la limite. Allez, bon, on va tester. J'ai déjà scotché mon téléphone, je peux bien me le rescotcher sur le bras. Ah, il me manque un bras. Est-ce que quelqu'un peut me passer un bras, s'il vous plaît? Nickel, ça. Et là, normalement... et non, pour éteindre ça, j'ai besoin de mon téléphone. Ah, j'arrive pas. Ah, mais je suis trop con, c'est pas vrai. C'est bon, c'est éteint. Eh, en vrai, je le mets... Nickel. Hop, petite photo là. C'est bon, c'est vrai, ça peut marcher. Peut mieux faire. Oh, ça va. J'ai arrêté les cours, c'est pas pour avoir des appréciations de prof ici. Ah, là il y a un truc. Mais va rendre la roue à son propriétaire. Et je rappelle pour que c'est les ados, oui. Vrai ado a une roue dans sa chambre. Et ça donne quoi le rendu? Bah oui, bien sûr. Petit œil de cinéma absolument inutile. On est sur un point ici au milieu, une rotation au milieu, alors que l'iPhone n'est pas du tout au milieu du truc. Tu fais des TikTok ou tu travailles pour Nestlé? On adore courir, on rigole en courant. Qu'est-ce que c'est? Hop, il y a une merde de chien par terre, nickel, on va prendre un TikTok ici. Ta flaque là. Attends, quoi? Non, là, elle a un ravin devant chez elle, là. Non, c'est plus la même flaque que tout à l'heure. Ah, j'ai eu peur. T'imagines le cadrage, tu te trompes de côté. Au lieu de filmer en face, tu filmes en selfie. Hop, tu regardes ta vidéo sur TikTok. Elle est comme ça. Nickel. Tu peux pas faire du basket avec un téléphone dans une capuche. Tu mets ton téléphone, il va valser, c'est terminé, plus d'iPhone, tu retournes à ton Wiko. Et, ah, il y a un fantôme, nickel. Bonjour monsieur. Et tu foutais quoi dans le frigo? Pourquoi t'as mis ton iPhone dans le frigo? Normal qu'il veut chercher à boire. T'énerve pas, c'est normal, il a soif. Donc tes parents t'achètent des pochettes en plastique pour ranger tes cours, et toi, le seul truc que tu fais avec, c'est de les foutre sur un poteau. Mais range tes cours des SVT là-dedans au lieu de les foutre, un appât d'air. Inutile, inutile, c'est dégueulasse, il n'y a aucune lumière qui sort de là. Regardez, on voit qu'il y a des LED ici, et ici, il n'y a aucune lumière qui sort de là, rien. Qu'est-ce que... Hein? Alors, de base, essaye de prendre des jeans à ta taille avant la création des ceintures. Hop là. Mais tu fais un TikTok ou tu travailles pour Hugo Boss? C'est nul. La vieille mère. Mais en plus, ça va pas. Ça va, c'est trop bizarre. Bon, je pense qu'on a vu assez des Instagram versus réalité. Je vais quand même regarder une troisième vidéo. Astuce géniale pour nettoyer qui t'aidera à économiser beaucoup. Mon iPhone est dégueulasse comme ça tous les jours. J'ai envie de savoir comment je fais. Oh. Oh. Bon téléphone tombé dans les chiottes, ça. Mais là, chez toi, c'est un urbex à la limite, là. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Hop, un petit jet d'eau. Oh. Mais faites un effort. Il s'est dit... Hé hey, on va rien y voir, je vais mettre une coque. Merci Rhino Shield. Oh, je suis désolé. Et ça, ça me fait gagner du temps? Allez, on a quoi d'autre là? Oh, mais c'est que des trucs crades comme ça. Non, c'est mort, ça me fait pas gagner du temps. Mais au bout d'un moment, il faut être propre. On bouge, on bouge. Astuce brillante pour rester au chaud cet hiver. Allez, je vais regarder ça. Ça commence déjà comme ça. Mais qu'est-ce que tu fous sur ton pied? Qu'est-ce que tu fous sur ton pied? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est fait pour les ados! Qu'est-ce que tu mets là? Bot! Super bot! J'en ai rien à foutre, c'est quoi ça? Peppa Pig est passé par ici! Nickel, on enlève les collants. On met le bon jogging, on remet les collants. Pourquoi? Attends, quel est l'intérêt? Pourquoi tu les mets au-dessus? Mais il est en dessous! C'est des collants, c'est fait pour! Ça commence à m'énerver cette chaîne! Ah oui. Oh non, mais comment ils vont faire? Fil métallique. Ok. Ah, ok, ça va.
T'achètes les gants qui font ça au pire, mais ok. Pourquoi il fout ses AirPods dans ses chaussures? Tu crois que tout le monde a ça? Alors ok, les BG québécois, peut-être ils en ont parce que c'est commun là-bas pour réchauffer les chaussures. Mais je t'assure que tous les ados n'ont pas un réchauffe-chaussures qui ressemble à deux paires d'écouteurs énormes à mettre dans ses chaussures là. Tu as perdu un gant? Oh non! Regarde, on va en prendre deux. Comme ce que tu n'as pas. Bien fait. Waouh, et super, ils sont accrochés à quoi là? À sa veste. C'est-à-dire forcément t'es obligé de mettre cette veste pour te balader avec ses gants. Du spray, de l'eau et de l'alcool, tu vas faire quoi? Attendez, faut que j'aille revérifier. Brico ado, ouais. La bagnole, tout ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah! Pourquoi tu fous de la cold shot comme ça là dans... Hein? Attends, mais... Waouh! Y'a tout ça là qui manque là. Il s'est passé où tout ce morceau là? Regarde la pointe, regarde ton pouce. J'ai déjà vu ça en Égypte. Allez hop, je vais m'en faire un vêtement. Vous pouvez patineur. Solution, prends des cours. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on va pas mettre des roulettes sur... Petit trou. Oh là, du sparadrap, let's go. Mais jamais tu vas tenir. Sur la neige. Des roues sur de la neige. Vous m'avez saoulé. Allez, ça dégage, c'est bon, ça m'a saoulé. Allez, on va s'arrêter sur ce magnifique plan. Merci à tous d'avoir regardé cette incroyable vidéo. Le pouce bleu comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des roues de secours dans vos chambres. Pensez-y, prenez des roues. Mais les volez pas aux gens, s'il vous plaît, barrez-vous là.